du coup, vous avez pas regardé les casques. Les casques nouvelles. Ouais. Je trouve que c'était pas ouf, même. Enfin, fallait vraiment mettre le truc ici, quoi. Et nous reprenons notre programme du jour avec le dernier run déjà de ce vendredi, et pas des moindres, Jet Set Radio HD qui va être joué par Limster, que je vous demande d'accueillir, qui est en place. Je vais être accompagné de Twispy pour le commentaire de ce Jet Set Radio HD. Salut à toi, re-salut à toi. Rebonjour. Qu'on a vu dans la race Time Splitters 2, et donc on va parler de Jet Set Radio HD dans la catégorie Neper Saint. C'est un jeu qui est donc sorti, alors il est sorti bien avant sur Dreamcast, mais là, plus particulièrement pour la version qui nous intéresse, la version PC, elle est sortie en 2012. Jeu qui est développé par Smilebit Sega, et c'est un des tout premiers jeux cel shadé. On s'en souvient bien à l'époque, hein, de la Dreamcast. Ouais. Jeu magnifique. On va dire difficile à maîtriser. Ah, ça c'est sûr. Tout en plus pour un speedrun, mais un titre qui a réellement marqué. Limster, dès que tu es prêt, hein, je t'invite à lancer le décompte. Nous t'attendons pour donc, voir des choses quand même assez impressionnantes, parce qu'on voit qu'il est quand même possible dans ce jeu de course. On peut aussi faire des. On va être invité à faire des graffitis. Donc c'est vrai que. 2, 1, c'est parti, top donc pour Limster. Alors on va tout de suite préciser que, parce que c'est une chose importante, parce que ça risque d'arriver, donc là c'est la phase du tutoriel, que le jeu risque de crasher. C'est ça, dès le premier level, il peut crasher, à la fin du premier level. C'est un peu particulier en fait, mais c'est comme ça, on ne sait pas pourquoi, on n'a toujours pas trouvé les raisons, et ça arrive de manière aléatoire, et quand on n'a vraiment pas de chance, ça crache tout le temps. Et ça peut arriver aussi dans d'autres levels, mais on va dire que c'est le risque est beaucoup plus prononcé juste à la fin du tutoriel. Donc si on a passé ça, le run aura réellement commencé. Il y aura encore quand même la fin du premier level quand même. Ouais, ça sera, du premier level aussi ça arrive. Ça a tendance à crash souvent. Donc là, ce qu'il va faire, c'est pendant tout le tutoriel, il va optimiser. C'est-à-dire que normalement, il nous montre tout un parcours. À chaque fois, on va juste activer le trigger qui fait « on a fini le tuto ». On va tomber à terre et ça nous permet de skipper vraiment toutes les longues parties de tuto. Parce qu'on nous demande de faire des choses un petit peu simples, accélérer, faire un saut, mettre de la peinture, faire, par exemple un salto. Et donc, en fait, là, la route est travaillée pour essayer de ne pas perdre de temps là-dessus, en essayant peut-être de même cumuler plusieurs figures sur un même saut pour passer tout ce qu'on nous demande. Ça, en général, ça, il va juste il va faire ce qu'il est demandé, après il va sauter, enfin dès qu'on va toucher le sol, ça va être le trigger de fin du tuto. Et là on a vu directement du coup le quick painting. En fait dans Jet Set Radio il y a différents types de... en fond. Du coup il y a différents types de tags, il y a le tag simple, et après on va avoir le tag double, enfin du coup il en faut 4 sprays, il en faudra 7. Et du coup, il y a un système de QTE. Il faut faire les manœuvres demandées sur l'écran. Qui apparaissent à l'écran pour pouvoir taguer. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que chaque perso... Il a réussi à monter sur le véhicule et s'accrocher. C'est parce qu'il a loupé le premier véhicule. Normalement, il doit monter sur le véhicule beige. Mais c'est très difficile. Hein. Il y a un timing assez précis pour réussir à gagner suffisamment de vitesse, surtout qu'on est dans une montée. En fait, il faut enchaîner le sprint plus deux sauts. Et ensuite, on va rester accroché à la voiture. Ce qui fait gagner énormément de temps. C'est environ 10 secondes. Enfin, c'est quand même pas mal. Ah, donc c'est vrai qu'il faut peut-être expliquer, basiquement, comme tu le disais, on est obligé de récolter des bombes de peinture pour pouvoir taguer. C'est ça, on va voir des persos en fait. Là on voit Tab, donc c'est un des persos. Enfin, il y avait le perso bleu, c'est Tab. Oui, lui, qu'on verra pas mal durant le run. Ça. Mais là, on n'a pas le choix. Donc Beat par exemple, lui, il peut avoir que 20 sprays. Mm. Donc il va avoir des routes qui sont faites juste pour lui, parce que ça va être, on va perdre du temps si on doit par exemple aller chercher le perso dans la sélection de personnages. À la différence, Tab peut prendre 30. Bon, de peinture. C'est ça, donc ouais. Et donc c'est pour ça qu'il va être utilisé, parce que du coup ça permettra de gagner du temps par rapport à d'autres persos. Bon, là déjà on a passé le tuto, on est bien. Ah, donc là ça va être le crash à la fin de ce level là. Ouais. Donc là ça va être le tout premier level au niveau de l'histoire, c'est il y a le professeur K. Stunfest aussi, on a marqué au sol. Ah, il y a la possibilité de customiser évidemment son jeu puisqu'il est sur PC. Donc l'histoire c'est simple, c'est le professeur K, un DJ. C'est ça, c'est lui qui sert la Jet Set Radio, d'où le nom. Radio Pirate. C'est ça. Et en fait il incite un peu les gens à aller faire des tags et à se révolter. Et derrière il y a une sorte de corporation qui a
qui contrôle la ville, un peu comme dans Robocop, quoi, finalement, et qui essaye de, d'anéantir justement cette, cette dépendance de Tiger. Et on voit donc déjà un truc qui va être très utilisé. Donc tu parlais tout à l'heure, normalement, pour taguer, on est obligé donc de faire les manips qui apparaissent à l'écran. Mais en fait, il existe une technique de face painting, donc qui évite justement d'avoir tout ça et de moins prendre de temps pour mettre du spray. Est-ce que tu peux nous expliquer ? C'est ça qu'on, en fait, chaque perso, de toute façon, on va alterner entre tab et beat. Ouais. Ça va être, par exemple, beat, son premier mouvement, ça va être tout le temps le bas, et l'inverse pour tab, ça va être le haut. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va spammer le bouton de spray plus la direction bas et ou haut selon le personnage. Ça nous permet d'enchaîner les gros, bah voilà, le crash du jeu. Voilà, donc on avait prévenu, hein, voilà. Bravo, magnifique Limster. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous on prévenait, hein, ça. C'est parce qu'il était trop rapide. On a prévenu malheureusement qu'on est trop rapide sur voilà ça. Heureusement, il avait fait des saves. Oui, alors heureusement, voilà. Bien sûr, dans cette éventualité, parce que ça lui arrive assez souvent, Hipster a des saves, et du coup, on va partir niveau 1, du coup, je suppose. C'est ça, ce sera la fin du niveau 1, parce que là, il avait vraiment complété, c'était le dernier graphe, et il n'y avait plus rien à faire. Voilà. Et là, on va rencontrer, dans l'histoire, on va s'affronter face à différentes autres gangs de graffeurs. Et puis, il va y avoir aussi les forces de l'ordre. C'est ça. Qui vont venir perturber. Alors, en même temps, c'est un petit peu normal, hein, on en met partout avec notre bombe de peinture. Notamment avec l'inspecteur qui fait beaucoup penser à l'inspecteur Harry, joué par Clint Eastwood avec son gros magnum. Ouais. On voit un peu les inspirations qui sont partout. Et donc on peut peut-être commencer à parler un petit peu des techniques avancées de déplacement qui vont être utilisées dans le jeu. Donc il y a déjà bien sûr donc dompter la maniabilité, parce que même un joueur aussi doué que Lipstar qui a passé énormément de temps sur le jeu, eh bien, il lui arrive déjà de ne pas savoir pourquoi son personnage est parti dans telle ou telle direction. Ouais, c'est des fois même les masques de collision, etc. Des fois sont un peu bizarres. Il y a une capacité qui s'appelle le wall jump, c'est-à-dire on va grinder sur un mur pour sauter. Des fois, le personnage va pas sauter, va se laisser tomber. Et là, c'est une perte de temps sèche. C'est vraiment phénoménal. En plus, là, il va grinder, il va enchaîner. Du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer au maximum de grinder en récupérant toutes les cans, comme ça qu'on appelle en anglais, pour récupérer. Là, il a toutes les sprays pour finir le level. Donc là, maintenant, il a juste à aller chercher les tags. Et donc, on voit justement le nombre de bombes qu'il a pris en bas à gauche de l'écran. Donc, on a dans le jeu un dash, par exemple. Qui nous permet de nous déplacer un petit peu plus vite. Et si on laissait appuyer, on aurait un certain. En fait, on nous sort un dash qui se propagerait. Mais on peut, en fait, le rendre quasiment infini, même infini, en mâchant, en fait, justement, le bouton de dash qui va nous permettre, eh bien, justement, de conserver cette vitesse. L'autre chose, c'est qu'on va aussi améliorer tout ce qui va être l'air control. C'est ça, ouais. Dans les sauts, ça va être assez aussi important Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'il va sauter en l'air, il va essayer de regrinder, parce que dès qu'on arrive sur un grind, on gagne de la vitesse. Enfin, si on a fait un gros saut, on va avoir un boost de vitesse quand on va arriver sur le grind. Par contre, si on grind, on se laisse aller après, c'est pareil, on va perdre de la vitesse. Donc le but, c'est de ressauter et pour regagner de la vitesse. Donc là, on arrive à la fin du second level. Donc il y a différentes unités de policiers. Par exemple, là, c'est ceux qui lancent des grenades un peu fumigènes qui nous ralentissent. Là, donc, la fin du second et voilà. Level. Ouais, terminé là. Ce second niveau, du coup. Ah, donc, on skip tout ce qui est cinématique de scénario, parce que c'est pas très important. Donc là, on avait juste rencontré les Love Shockers juste avant, sur le level d'avant. C'était leur territoire, donc c'était Ben 10. Et là, on arrive à Kogane face au Poison Jam. Donc on aura trois gangs rivaux pendant tout le jeu. Vous savez qu'on n'en a pas parlé non plus, mais le jeu a reçu un patch aussi en 2013. Qui a permis aussi de gagner énormément de temps sur les Run Any Percent. Ouais. C'est vrai qu'on a parlé de la version qu'il a utilisée. C'est vrai que ce patch aussi a été très bénéfique pour gagner du temps pour terminer le test. Bah, je crois que c'est par rapport au loading. Si oui. C'est quelque chose qui est pas par exemple sur les versions PS3, parce que le jeu, quand il est sorti en 2012 sur Steam, il est ressorti sur toutes les consoles. Oui, également, 3.6 à l'époque, PS3. Et si je me trompe pas, ces versions ne bénéficient pas justement de ce patch, ce qui fait que les rubs se déroulent sur PC, du coup. C'est ça. Et vu que le jeu, ça reste un vieux jeu, on peut faire tourner sur n'importe quel PC, quoi. Ça va tellement vite, là, du coup, pour sa gueule, avec cette. Et donc là, il reste deux tags. Il reste deux tags pour le level. Il y a quelque chose qu'on n'a pas précisé au niveau des tags, c'est que de base dans le jeu, alors, tout à l'heure, on vous disait que la maniabilité n'était pas évidente, mais en fait c'est pareil, donc on va dire grosso modo, ou même pour symboliser si c'est pas exactement ça, parce que vous pouvez être invité à remapper par exemple votre manette, mais si vous avez le tag en fait sur le bouton R,
En fait, de base, le jeu vous invitait aussi à utiliser ce bouton pour recentrer votre caméra. C'est ça. Et en fait, du coup, bah, il pouvait avoir un problème parce que si vous cherchiez à recentrer votre caméra près d'un tag, c'était le tag qui avait la priorité. Donc, vous allez vous mettre bah, tout simplement à réaliser le tag. Heureusement, on peut désactiver cette fonction, ouais. Ce qui évite ce problème, ce qui est le cas d'ailleurs hein, quand Lipster run le jeu. Et à savoir, pour remapper les boutons, il faut utiliser un logiciel externe. Le jeu ne propose pas la possibilité de le faire à l'intérieur du jeu. Et donc là, on va voir la Lipster route. Mais là, par contre, il propose l'option pour des pour le recentrage. Ouais, ça, c'est, ouais. Ça, c'est cool. Donc là, voilà, c'est la route de Lipster, sa petite route. Là, ça va être pareil, ça va être un enchaînement de wall jump. Par exemple, ici, on va faire deux wall jump pour pouvoir arriver sur le toit. Et on va, dès qu'on bouscule, par exemple, là, ça serait les Poison Jam, on va récupérer différentes... souvent, on récupère un spray jaune et un spray bleu, sachant que le spray bleu vaut 5 sprays jaunes. Oui. Oui, c'est vrai qu'il y a une valeur différente, en fait, du coup, dans la récolte de ces bombes de peinture. Donc là, il a réussi à un saut qui n'était pas forcément... Faire les deux tags pendant le saut, c'est pas la chose la plus facile non plus. C'est vrai que, oui, on va voir des mouvements qui paraissent très, très fluides, et pourtant, c'est difficile à faire. Parce que c'est justement ça, hein, voilà, vous contrôlez pas exactement, enfin c'est très difficile de vraiment faire ce que vous voulez précisément. C'est-à-dire, vous voyez ce que vous voulez faire, mais après il faut le faire dans le jeu. Ouais, c'est et plus c'est dur, ça hein. qui est difficile d'enchaîner les sauts sans perte de vitesse, de pas se cogner non plus quand vous faites votre dash, sinon vous allez être automatiquement freiné, vous cherchez à ne pas perdre votre vitesse bien évidemment. En général, c'est quand même les sauts qui sont plus compliqués. L'air ouais. Contrôle est très compliqué. Parce que si on saute, on va arriver tout droit. Et des fois, on va devoir orienter le joystick juste avant de sauter. Si on n'a pas le bon angle, on est parti pour aller vraiment à côté. C'est vraiment, vraiment précis. Et là, il y a une mécanique de gameplay. En fait, tout au long du jeu, on va avoir des personnages qui vont dire eh, moi aussi, je veux rentrer dans le gang. Normalement, on peut, du coup, ça va faire une sorte de petit. Comme les phases de tuto, on va faire une sorte de défi. Ouais. Et sauf que là, on va tous s'équiper. Et là, on arrive sur le premier boss battle. Boss battle, voilà. Qui se dérouleront toujours un peu de la même manière si on en omettant le boss final. C'est ça. Qui est particulier. Donc, c'est toujours un groupe de 3 qu'il va falloir peindre dans le dos, hein, en sachant qu'il faut mettre 10 coups pour chacun de ses ennemis. C'est vrai. Donc, là, ça sera normalement le boss fight, enfin le. Battle Boss le plus facile, c'est enfin, celui qui pose. Sauf que déjà quand tu vois les sauts là et les changements de rambarde qu'il fait entre les deux dans ces bouches d'égout là, c'est assez déjà impressionnant. Le plus dur compliqué là, c'était d'aller sur la rampe et d'aller de l'autre côté. Ouais. Si on n'a pas assez de vitesse, notre personnage, on n'y arrive pas, en fait, on tombe. C'est ça directement. Et là on repart au début du level, c'est-à-dire que les boss auront bougé. Parce que là on va justement les manipuler. On va faire un parcours qui va faire en sorte qu'on sait exactement où ils vont être. Là, il y avait une trappe, en fait, et c'est la trappe qui nous mène là où on a commencé, là où sont les boss. En fait, en passant juste à côté de la trappe, on trigger du coup l'arrivée des voilà. Et du coup, on les attend ici, on passe dans leur dos. Là, ça se passe très très bien. Parfait. Ah, c'est parfait. Voilà, parfait. On peut applaudir Lipster pour cette phase de boss battle parce que c'est assez redouté quand même. Il y a donc toutes les phases qu'on disait, beaucoup d'exés, beaucoup de choses à réaliser, mais les boss battles, ça peut être des sources à sauf un, mais c'est vrai que ça peut être très vite où il va nous échapper, on va pas réussir à aller suffisamment vite. Et comme je disais tout à l'heure, par exemple, les collisions sont très bizarres. Par exemple, si on avance et que le boss nous rentre dedans, on peut être éjecté de l'autre côté. Enfin, faut toujours aller dans son sens ou pas bouger. Oui. Et du coup, on se retrouve. Qu'il soit toujours devant. C'est ça. Il faut vraiment, vraiment être derrière. Enfin, continuer à avancer. Sinon, ils vont nous bousculer. On va se retrouver en marche arrière et c'est fini. Ouais, parce que même le simple fait, ouais, de réussir à se maintenir derrière, tu te dis, c'est pas si évident que ça. Ouais, quoi. Ça demande vraiment un positionnement très précis. Et du coup, là, on découvre un nouvel environnement qui est super chouette. Donc, c'est Ben 10, et on va découvrir deux nouveaux ennemis qui sera le gang des Noise, qui sont un peu des sortes de poissons mécaniques, je crois. Enfin, Ben 10, moi ça me fait penser à un animé de Kawajiri, de Cyber City, un vieil animé des années 90, qui a un des protagonistes qui s'appelle Ben 10. Ah, moi ça me fait penser plutôt à une série animée, mais pour enfants. Ah, chacun après ses références et ses souvenirs. Du coup là il a perdu un peu de temps, à un moment on doit faire les 3 tags d'un coup, là il en a oublié un, donc il a dû faire demi-tour, il perd encore. Enfin, c'est pas grand chose, hein. C'est pas non plus. Il y a des niveaux, si jamais il tombe, là vraiment il va perdre énormément de temps. Et puis ça, c'est que la grande force de Lipster, c'est que il aime vraiment jouer, parce que quand il est sorti sur Dreamcast, c'est un truc, voilà, il avait couru l'acheter, ça a été vraiment un jeu incroyable pour lui, et en fait, il a continuellement joué. Et après, il s'est intéressé un peu plus tard, en fait, au speedrun de cela, et ce qui fait qu'il a
du coup, au cours de ces années, une exé qui s'est développée chez lui relativement importante. Et du coup, en plus, avec une expérience qui fait qu'il sait aussi réagir quand le jeu lui échappe. C'est ça. C'est vraiment pas évident, même pour quelqu'un comme Mister qui joue... c'est marrant, pas ultra régulièrement, justement, mais qui joue depuis longtemps. Ouais, mais ça suffit. Hein. Ouais. C'est un peu comme le vélo. Ça s'oublie pas. Ouais, c'est ça. Hein, qu'on commence à jouer depuis longtemps, c'est parfait. Donc là, on repart de Benten, encore une fois, on va avoir... c'est un nouveau compagnon, et je crois qu'il y en a jusqu'à 5 qui peuvent nous rejoindre. Bon, on va jamais les accepter, il n'y a pas d'intérêt en fait à les avoir, parce qu'on va perdre du temps. Et là, encore l'autre environnement, il y a environ peut-être 2 environnements par gang. Ouais, par voie, région, enfin... C'est ça en fait, il y a... Ouais, enfin un quartier, plus exactement, c'est ça, ouais, Shibuya, c'est... Benten, c'est les quartiers. C'est ça. Et là donc du coup on voit qu'il a pas le... il y a des moments il a re-switché sur personnage, enfin c'était peut-être même d'avant d'ailleurs, on a vu qu'il n'est plus sur table ici. C'est ça, parce que dans ce level on va récupérer vraiment beaucoup, il y a des sprays à foison, du coup il peut se permettre de reprendre table, ça évite de perdre 2 secondes dans le menu à switcher. Justement parce que le premier qu'on vous propose c'est plus court de prendre celui-ci si on n'a pas besoin des 30 bombes. Apportée sur soi, offerte par Tab. Et par exemple, là, il vient de faire 2 sauts sur des cordes, mine de rien, comme ça, ouais. Ça a l'air facile, on se dit, ouais, mais c'est vraiment super compliqué. C'est ce qui est difficile dans le jeu, c'est qu'on a l'impression que tout ce que l'on voit, c'est ultra fluide. En fait, non, c'est ultra dur. Ouais, c'est pas, ultra dur. C'est beau à voir, mais pour réaliser ça avec tant de précision. Ah, le jeu a la chance d'être envoûtant par sa BO, par son graphisme. C'est vrai, oui, que la c'est BO, super. C'est vrai qu'on en a pas parlé, mais magnifique avec vraiment des musiques. C'est entraînant. Hein. Très 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 sympa et tout qui s'accorde vraiment bien en plus avec le jeu, puis les couleurs chatoyantes du jeu et renforcées par l'effet cel shading. C'est pour ça qu'on y revient en fait, hein. Même si c'est un peu dur, on y revient toujours parce que c'est toujours ça. C'est on a envie de jouer rien que pour l'ambiance, quoi. Oui, puis l'univers qu'il propose, c'est vrai que voilà, on a quand même une partie en début de jeu plutôt japonaise, l'ambiance des quartiers Tokyo Heat. Par exemple, là, il va faire du coup, s'il arrive, il va faire un petit zigzag comme ça. Les chars qui arrivent en plein milieu. Voilà, et c'est super compliqué à faire. Il faut vraiment ralentir un maximum et faire 2 sauts. Ouais, j'ai quand même pris ici, durant son tag, un petit tir. Bien sûr, pour les tags, on envoie des chars, hein, ça paraît logique. Oui. On aura bien pire après, on a déjà vu les hélicoptères tout à l'heure. Mmh. Ah oui, non, c'est sûr, vous faites des tags, il faut tout de suite riposter. C'est pareil, la solution la plus efficace quand même. Hein. Ah bah là, t'envoies un tank, ça va, c'est honnête. Un hélicoptère, un tank... On verra des drones aussi après, par la suite, qui sont par contre vraiment troll parce qu'ils ont tendance à... Ils ont une accuracy plutôt élevée, et ça va souvent nous stopper pendant les phases de tag. Ils sont assez précis dans leur tir. Et on repart sur un battle boss. En général, quand on voit apparaître comme ça 3 personnages identiques, c'est qu'ils appartiennent au même gang. Et sûrement le battle boss le plus compliqué du jeu. Ouais, en effet. Parce que savoir que dans les autres environnements, la zone n'est pas très grande, donc en plus ils se regroupent souvent. Là, la zone est vraiment vaste, ils ont tendance à se séparer. C'est-à-dire qu'une fois qu'on... Ce qui est le pire pour l'imster, quoi. C'est ça. Donc là, il va juste attendre, il va taguer le premier. Il va essayer d'être très très vite sur celui-ci. Comment ça se passe? Non, ça va le faire. C'est bon, Là, il va switcher sur la rambarde de gauche. Le second va tomber dessus. Parfait. Il est dessus. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Ah ouais, l'enchaînement est nickel. Voilà, donc là, il lui manquait 2 tabs. Il va attendre le dernier, qu'il n'a pas encore tagué. Voilà. Après ça, il finit, il reprend l'autre. Et il finit avec celui-ci. Et c'est terminé. Ouais. On peut applaudir l'Imster. Très très bien géré. Aucune phase d'incertitude là sur ce boss battle. C'est propre. Hein. Ah ouais, vraiment, parce que il faut pas surtout pas rater le saut, bien sûr, pour la transition, passer sur l'autre rambarde, ce qui est pas forcément évident. C'est vraiment le début, c'est le tout premier qui est compliqué. Ouais. En fait, il faut récupérer. Assez rapidement. C'est ça, il faut récupérer aussi assez de spray ensuite pour gérer les autres. Par exemple, là, il y en avait 15, c'est pour ça qu'il est monté sur la rambarde pour récupérer les encore 10. Ouais. En même temps, il a tagué l'autre. Et c'est vraiment ça le plus compliqué sur ce battle boss. Il a tout faire en même temps, récupérer ce qu'il te faut, taguer. Et là, du coup, on enchaîne encore une fois avec un battle boss, donc avec les Love Shockers qui sont du coup les femmes qui veulent s'imposer. Et un battle boss qui est quand même plutôt cool une fois qu'on le maîtrise, il est vraiment sympa. C'est à base de. Enfin, on va vraiment grinder beaucoup. On a déjà vu qu'il a commencé à. Ah, il a pas réussi à grinder. Voilà. Ouais. À savoir que quand on saute dans les pentes, on perd du temps. On est mieux de dasher en fait dans les pentes, sinon on va reperdre vraiment beaucoup de temps. Oui, c'est valable le saut que dans les montées ou alors à l'horizontale. C'est ça. Par contre, dès qu'on a une pente, non, là il faut. Il faut en profiter, il faut dasher. Faut dasher.
Voilà, du coup, elle va passer sur la rambarde. Ah, il est juste devant. Il est juste devant. Il va laisser passer, voilà. Ah bon, c'est bon, parfait. Il va avoir le. Voilà, c'est fini. Tu sais, quand même, pas trop mal passé. Bah, ça s'est très bien passé. Il a tout fait en un cycle, donc c'est nickel. Donc, du coup, le jeu est découpé en trois chapitres. Oui. Donc là, on va finir le premier. C'est-à-dire qu'on a conquéri tous les territoires des gangs rivaux. Et là, on va avoir deux personnages qui vont arriver d'une ville, d'une autre ville. Du coup, on suppose que c'est New York parce que ça s'appelle Gwang City. Et on va avoir deux autres personnages qui vont arriver, c'est Cube. Et le personnage avec le Ghetto Blaster sur le... Ah non. Merci, Combo. C'est Cube et Combo. Et ça va être des personnages qu'on va jouer juste après. Enfin, on va jouer que Cube qui a le même gameplay en fait finalement que Beat. Qui peut porter aussi que 20 sprays. Donc là pareil, phase de tuto, c'est comme au tuto. Il demande de faire des trucs et nous rejoindre. À savoir qu'on va juste après, on va avoir une course entre Combo et Beat. Et il va y avoir quelques strats plutôt sympas. Notamment, on va accrocher un bus pour passer devant. Et la course entre les deux n'est pas forcément la plus facile quand on commence le jeu parce que, mine de rien, Combo va voilà vite. Combo, ouais. C'est vraiment le perso le plus classe du jeu en plus, avec son petit ghetto blaster. Donc là, il y avait une map en fait où nous indiquait où on devait aller. Et on la passe. La petite race. Avec le petit rebond. Voilà, donc en fait il va dasher et directement il va sauter, c'est là où on va gagner, c'est le gain de temps, enfin le gain de vitesse le plus important dans le jeu. Et là c'est là où on voit que le quartier, par exemple, de ce quartier-ci est divisé en trois quartiers et plus tard dans le chapitre 3 on pourra accéder par cette petite interface un peu bizarre avec une sorte de 3D un peu chelou. Voilà, donc là il s'est accroché au bus. Ce qui n'est pas facile à faire. Ouais, on a vu qu'il a bien timé, il a bien ralenti, ensuite d'un coup il s'est mis à accélérer pour. Comme ce saut là, celui-ci il n'est pas non plus facile. En attendant, on a resté dans la pente et pas passé par le dessus. Il n'a pas réussi à avoir assez de hauteur. Et du coup là c'est gagné pour lui. Il est passé dedans. Il y aura juste un petit saut un peu qui peut être traître, mais à part ça c'est gagné après. Donc là pareil, il est lancé dans cette technique de saut pour se déplacer plus vite. C'est ce qu'il y a de plus rapide. Ouais. C'est vrai que des fois, quand il y a juste des petits rebords, nos personnages ont tendance aussi à tomber. Donc il faut sauter un peu quand il y a des petits rebords. C'est un peu idiot, mais ça arrive. Et oui, donc on a vu qu'on pouvait s'accrocher aux voitures. Mais juste si on reste derrière une voiture, pour s'accrocher, on va avoir un gain de vitesse. En fait, le jeu nous aide à s'accrocher à la voiture. Oui. Du coup, on va avoir une sorte de petit boost. Et des fois, on va favoriser juste rester derrière une voiture, juste pour pouvoir gagner la vitesse. Et du coup, Combo rejoint notre équipe. Et c'est là où le jeu va se passer dans Gwang City, sûrement un des niveaux les plus cool du jeu. On a passé les 20 minutes de jeu là pour le moment. C'est très très propre. Hein, c'est une bonne pace hein, là, ouais, c'est pas mal. Très bien parti là, honnêtement. Ah, donc on découvre Gwang City. Donc là on va prendre Cube, on perd du temps, mais c'est vraiment le même gameplay que Beat. Et là ça va être un des levels les plus fun à faire en speedrun sûrement. Ça fait un peu Tony Hawk dans l'esprit. On commence directement avec un petit wall jump, juste pour récupérer 5 cans. Ensuite on va monter la rambarde qui est ici. On va commencer par tous les tags qui sont sur le dessus, à gauche. Après, on va s'occuper du skatepark. Et la phase du skatepark, ça va être justement que du air control, du grind, air control, wall jump. Et ça va être vraiment fun à voir. Comme c'est les doubles wall jump ici, vont être vraiment. En fait, on peut les réussir, mais il faut pas oublier de prendre les sprays. Et c'est là où on va perdre du temps, mais. Les nouvelles strats et tout en plus maintenant. Donc là il va se dépêcher de faire le tag parce que sinon il y a deux mecs qui vont le courser et lorsqu'il va passer dans le skatepark il va y avoir une petite cinématique qui va avoir, on va voir les deux gardes qui vont lui courir après qui vont dire ah je l'ai pas attrapé. Donc là c'est bon, il l'a pas eu. Du coup là ça va être du grind, wall jump, air control. Charge, ouais. Ah, donc là c'est vraiment cool à voir et à faire c'est aussi cool une fois qu'on le maîtrise. Donc, nouvelle unité, quelqu'un avec un lasso de feu. Il va tout faire sur les wall jumps, là, un dernier, et il repart du skatepark. Donc on n'a pas touché le sol une seule fois depuis qu'on est arrivé. Et on va s'occuper de tous les tags qui sont de l'autre côté du tram.
Donc on peut voir les qui restent, hein, qui sont indiqués par une flèche rouge. C'est ça. Et on va voir aussi des trucs qu'on n'avait pas vu avant, c'est les double tags. Mmh. Alors, en fait, ça va être des tags qui vont être divisés en deux parties. On va devoir se déplacer pour finir le tag. Et ça va être sur le grand panneau qui va se trouver en plein milieu de la voie. Ouais, ici, là. Donc ça, c'est les tags à 7. Donc là, il est obligé de se décaler pour finir. Juste en fin de partie. Et ça, c'est un saut très tricky à faire. Ouais. On peut applaudir. Hein. Ce saut-là, on a senti que, même avec la vitesse qu'il trouvait, c'était vraiment juste. Ah, mais c'est. Ouais. Ça passe de justesse, quoi. Faut vraiment sauter au dernier moment et avoir la bonne direction, sinon on tombe à côté. Ouais. T'es sur le haut du triangle, là, il n'y a pas beaucoup de place. Et ça fait quand même gagner au moins entre 5 secondes, quand même. Donc c'est pas mal comme gain de temps. Et là, c'est sûrement un des niveaux les plus durs à apprendre dans le jeu. Dès qu'on tombe, on perd du temps. Mais on perd une minute dès qu'on tombe en fait. Donc c'est un des niveaux sur lesquels quand on apprend le speedrun, on va vraiment passer beaucoup de temps. C'est très punitif. Ouais, on va faire tout va se passer en hauteur et c'est vraiment encore une fois du grind. C'est là où on voit que le jeu va commence vraiment à devenir compliqué, même quand on le fait de manière classique. C'est là où on va commencer c'est à lâcher le jeu. Dans la difficulté. Voilà, par exemple, là, c'est ce qui est arrivé. Des fois, la collision va, par exemple, sur cette rampe-là, prend pas. Ouais. Si t'es trop à droite, c'est fini, tu pourras pas grinder. Du coup, tu es obligé de remonter, reprendre l'ascenseur, etc. C'est pour ça que ce niveau est très dur. Ouais, c'est vraiment pas évident là, de jouer avec les collisions des rambardes qui ont pas l'air très très évidentes. Non, c'est. Surtout, cette rampe-là, c'est une des plus traîtres. Et si on est trop à droite, si on est trop à gauche, on peut pas faire le spray non plus, donc on devrait faire un demi-tour pour pouvoir le refaire. Le petit cycle de la Dreamcast là sur la statue. La spirale de la Dreamcast orange. Autopromo. Parce que chez nous elle était bleue. Mais. Des raisons de droit. Voilà un passage vraiment compliqué. Si on n'est pas assez rapide, on a la cinématique pendant, juste avant qu'on saute. Et du coup la direction est plus ou moins imprécise. Voilà. Normalement il y a un skip en fait pour ne pas avoir cette cinématique là. On peut ne pas avoir ce replay en fait. Mais c'est pas évident. Voilà. Là on va commencer à envoyer les hélicos. Mais bien armé hein. C'est ça. Ça rigole pas les hélicoptères rangés de cette radio. Et plus on va arriver, plus on progresse dans le jeu, dans ce level, après on va avoir aussi des ennemis qui vont électrifier tout ce qui est illumination sur lequel on grind. Il va y avoir des parties qui vont devenir inaccessibles. D'accord, ouais, du coup. Et là, donc là, c'est la fin, dernier tag. On fait le seul qui était en fait à terre. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment le niveau le plus compliqué du jeu, sûrement. Et on a perdu. Là, on vient de finir du coup la petite interlude dans Grind City et Grind Square. Et on arrive au Chapter 3. Il y a un nouveau gang, les Golden Rhino, qui sont du coup sponsorisés par la corporation qui lutte contre les teams de graffeurs. Mmh. Et là, on va refaire chaque environnement qu'on a déjà fait, sauf que là, ils vont être au maximum. En fait, toutes les petites zones qu'on a vues. Ils vont être toutes regroupées. À chaque fois, on va les faire toutes. Ce qui c'est, comme on peut voir, il va rester environ 15 minutes sur 3 levels. C'est-à-dire qu'on va passer énormément de temps car les niveaux sont vraiment très très grands. Et les trois zones sont regroupées. On a c'est vu ça. Indépendamment ces trois zones tout à l'heure et maintenant elles sont regroupées. À chaque fois, pour chaque quartier. Et il y a énormément de tags. Alors, du coup, on parlait par exemple tout à l'heure de la maniabilité par rapport à un de ses défauts. L'autre défaut, c'est, comme tu as dit, c'était Smilebeat qui a fait le jeu. Ouais. C'était une team de chez Sega qui faisait de l'arcade. Et le gros défaut du jeu aussi, c'est le petit timer qu'on voit en haut à droite. En général, quand on joue de manière normale, c'est on va faire un premier tour pour voir comment est le niveau. Ensuite, on va voir encore un tour. Du coup, tu vas faire un time out. Mais, c'est ça. Un time over, pardon, et il n'y a pas de raison, quoi. Ah, par exemple, là, quelque chose qu'il fait, et il le fait très bien, c'est en fait, quand on va faire ce tag-là, on va nous tirer dessus et faire péter les voitures derrière. Et en fait, on va prendre des dégâts. Lui, il tag assez vite pour ne pas prendre les dégâts. Bon, là, pas assez vite. Du coup, normalement, en fait, là, on se stop dans celui-ci, on saute, et ensuite, on recommence le tag. Et on a vite oublié un tag dans ce niveau, dans ces niveaux-là, parce qu'il y en a vraiment énormément. Toujours c'est un peu semi-2D, semi-3D. Ouais, c'est marrant là ce changement. Ouais, c'est pas toujours très pratique ouais, pour par se déplacer. Ça doit pas être très jouable. Hein. Parce que le changement là de caméra où tu deviens très éloigné, en plus il y a les gens devant, tu vois pas où tu vas, et enfin tu dois continuer à jouer avec cette caméra-là. C'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup, il y a aussi des sprays qui vont être rouges, c'est pour la vie, parce qu'on a quand même une jauge de vie en fait. Oui. Mais elle est en haut à gauche. C'est ça. Et par exemple, là, on va faire une strat justement pour éviter de prendre des dégâts. Parce qu'on va voir les gars au molotov,
Alors quand ils peuvent pas nous avoir. Puis il a déjà pris un peu de dégâts quand même là dans ce début de stage. C'est ça. Il a mis de barre là. Il y a une stradorette justement pour les éviter, on va faire un tag. On voit qu'il récupère de la vie d'ailleurs. Voilà. Avec ses fameuses bombes de spray. Parce que les gens en molotov peuvent quand même devenir un peu troll. Là voilà, il enfin, c'est vraiment que du. C'est vraiment de. C'est de la trajectoire, de l'optimisation de route dans la run. Et là on va passer justement après à la dernière zone en fait du quartier. Qui est en fait la zone de tuto. On va se retrouver avec les bus. Ah oui d'accord. On les fait en fait un peu à l'envers ou c'est juste que non là c'est juste la dernière, ça correspond à la première. Oui c'est ça en fait, mais là c'est juste dans le, en fait on peut commencer dans dans la première, mais après dans les deux autres on peut y aller comme on veut en fait. D'accord. C'est pas bloqué. Et là on voit qu'il a récupéré un petit logo, c'est les Graffiti Souls. C'est pour une sorte de collectif qu'on peut récupérer au fur et à mesure dans le jeu, c'est pas obligatoire. C'est ça du coup qu'il y a aussi du 100% sur le jeu. Faire du 100%. C'est ça. Du 100% dont le temps c'est 57 minutes, qui est pas forcément plus élevé que les 10%. Ils sont pas si éloignés de la route principale en fait. C'est ça, et puis au début les niveaux sont quand même vachement petits, du coup ça permet de faire des petits traits. Ça va assez vite. Ouais. Même si on fait des détours, ça reste quand même très acceptable. Donc là on va raffronter encore une fois les Poison. Ouais. Avec un niveau qui est pas forcément évident. Et on va voir l'apparition des drones justement. Et les drones font énormément mal. Et là juste sur ce début de niveau, si jamais on tombe des toits, ça fait très très mal, on va perdre jusqu'à une minute parce que on doit rester sur les toits. Pour y remonter c'est très compliqué. Ce début, juste les deux premiers sous là, c'est loin d'être les plus faciles en fait. Parce qu'on a vite le jeu qui est un peu des fois immaniable, il va nous emmener un peu où il veut. C'était très juste. Là, on voit que, je sais pas si on l'a vu tout à l'heure, mais on peut aussi, il y avait on va dire, des endroits un peu cachés. Il y a des éléments du décor qui sont un peu destructibles. Là, on voit par exemple qu'il va détruire des murs, des portes, ouais. Et aussi des vitres qu'on peut détruire. C'est le petit tag caché qu'on a vite tendance à oublier quand on fait le jeu normalement. On pense avoir tout fouillé. Mais pas du tout. Attends, c'est vrai qu'il y a une flèche rouge. C'est tout, mais là elle est vraiment cachée. Et voilà, du coup, quand on arrive à ce moment-là, il y a l'apparition des mecs en jetpack. Et c'est vraiment les ennemis les plus. Redoutables du jeu. Ouais, absolument, parce qu'ils vont être un peu partout. Ils ont tendance à faire beaucoup de dégâts, surtout ils nous stun pendant les tags. Puis bon, avec les jetpacks, ouais, c'est ça, ils vont avoir quand même une mobilité. Ça va, ouais, mais surtout qu'on va les retrouver. Ils nous suivent pendant tout le level, surtout ceux-là, vu qu'ils sont mobiles. Donc là, on avait vu, par exemple, là, on va retrouver dans la zone où on a affronté les Poison lors du Battle Boss. C'est doux, ouais. Donc là, par exemple, on grind, on fait au maximum de grind pour justement gagner du temps, de la vitesse. Ouais. Là, c'est une route à peu près similaire. Voilà, donc là, ce qu'on disait, par exemple, la maniabilité du jeu. Par exemple là, il essaye de taguer en même temps qu'il saute, mais il n'y arrive pas parce que le jeu ne veut pas. Il a raté, on a vu sur le premier essai. Du coup, il va avoir un gros tag. Là, au niveau des tags, au niveau des sprays, il est bien là. Au moins, on en est ici avec là, on 15. On voit les drones là, qui sont juste derrière. C'est ça. En jetpack, pardon. Et vu qu'il a perdu un peu de temps tout à l'heure sur un saut, c'est là où il arrive à les distancer, mais vu qu'il a perdu du temps, ils sont venus derrière lui. Et là, on va sortir des égouts. Voilà. En fait, quand on est en fin de grind, on va ressauter un coup et ressauter derrière, on va avoir le saut maximum en fait. Donc on va souvent l'utiliser, faire un petit saut et ensuite ressauter, comme ça on va gagner l'amplitude maximum ainsi que la vitesse qu'on va retomber. Ouais. Là, encore une fois, démonter, donc on peut wall jump, ça fait gagner du temps. Et là on va arriver du coup... au 531, donc c'était un des premiers niveaux du jeu. C'était le troisième, si je dis pas de bêtises. Et c'est encore une fois, les tags sont quand même un peu disposés au même endroit. Enfin, pour ça, c'est pas très très traite, on va dire, mais. Et, donc, et on peut aussi taper les gens en drone et pendant aussi les taguer, etc. Le jeu est capricieux. En fait, quand il y a des flèches vertes, c'est des tags qu'on n'est pas obligé de faire. Oui, c'est les rouges qui sont responsables.
ça du coup. Donc là il peut avoir, par exemple environ 30 secondes à repasser comme ça. Ah, en fait on fait tout un. On fait encore du grind, on monte sur la grue, on arrive au dernier spray, enfin au dernier tag. Et c'est terminé. Bon, on peut applaudir quand même Mister 1 pour ce niveau. Pas évident du tout parce qu'on voyait qu'il y avait beaucoup de phases. Il fallait enchaîner, pas perdre de vitesse. C'est long comme on disait puisque là du coup regroupement de plusieurs endroits. C'est ça oui, c'est vraiment long et il faut vraiment pas oublier un tag. Et là on va arriver du coup dans l'environnement des noise. Qui va lui, c'est vraiment très très grand, mais sur le moment, c'est vraiment tout droit en fait. On va suivre une route qui fait vraiment tout le tour à chaque fois, et on va arriver dans notre environnement, ça va être aussi encore un tour. C'est vraiment, c'est un dino aussi qui est vraiment très cool à faire, parce qu'on va faire pas mal de grind. On va avoir aussi des nouveaux ennemis qui vont du coup avec des lance-flammes, mais aussi une sorte de garde du corps, qui vont nous empêcher de tag, qui vont nous projeter par exemple quand on va être au-dessus, à côté d'une rambarde, il va nous projeter au-dessus de la rambarde, et nous envoyer en dehors des escaliers, etc. Leur animation quand ils arrivent de course, toujours très, très stéréotypé. Le jeu reste fun quand même dans l'ambiance et tout. Oui, c'est disons qu'on voilà, on parle de gang, de peinture, de graffiti, mais bon, il y a aussi un côté humour, bien évidemment. C'est un peu pour ça que c'est un des seuls jeux finalement qui incite au graffiti, un peu à la rébellion, qui a pas été, qui a pas connu une sortie, on va dire, controversée comparée à beaucoup de jeux. Parce qu'il y a toujours quand même ce côté, c'est vraiment coloré, tout cartoon, ça. Cartoon, ouais, un peu en plus avec ses dessins, quoi. Donc c'est vrai qu'on se dit. Bon, c'est à la légère, quoi. Ouais, c'est ça, c'est la rébellion, mais pas trop, quoi. Voilà, c'est encore du fun grind. Là, justement, ça, c'est super chaud ce qu'il va faire. Là, il va faire un saut sur le grind de gauche. Ah, même pas, il le fait pas. En général, il fait gauche, droite. Et c'est des petits sauts qui sont vraiment très, très durs à faire. Ouais, parce que dès qu'un mouvement demande d'être réellement précis dans le jeu, c'est là où, justement, on se rend compte que la maniabilité ne permet pas toujours cette précision. Ouais. Ou en tout cas quand elle le permet, c'est très difficile. Ah non, là, justement, on a pu voir le coup l'ennemi qui a fait un coup de pied. Quand il nous fait un coup de pied comme ça, il nous projette par-dessus. Il est obligé de remonter tout ça. Ouais, de revenir à cet endroit pour tailler. C'est vraiment une perte de temps, mais c'est tout bête et des fois ça peut arriver. Et là, on va repartir dans l'environnement du tout premier Ben 10. C'est-à-dire là où il y avait toutes les lumières qui faisaient vraiment un peu. Quartier illuminé un peu Tokyo. Ouais, le croisement de Shibuya notamment. Enfin, même si c'est autre chose, mais ça fait penser à ce fameux carrefour. Et après, je sais pas si on va rappeler, s'il y avait la zone avec le train, c'est là où on va arriver juste après en fait. Donc c'est beaucoup moins, hein, il est vraiment quand même beaucoup. Ouais, ils ont réutilisé un petit peu dans ces dernières phases les mondes qu'ils nous avaient proposés. Voilà, on prend un petit peu. Voilà, de feu, ça c'est attaque. Genre ce petit saut là sur les conduits sont super compliqués. C'est vraiment les enchaîner avec les autres juste avant et essayer de pas grinder sur les murs et tout, c'est vraiment compliqué. Parce qu'il va. Ah voilà, il a fait ce qu'on appelle le Harvest Keep en fait. Normalement on doit faire le tour et ça fait gagner 20 secondes. Donc c'est un autre joueur de la communauté qui s'appelle Harvest qui a trouvé le skip, du coup il lui a donné son nom. Le but en fait c'est simple, c'est juste avoir assez de vitesse, on saute et on arrive par-dessus la barricade en fait, c'est tout simple, mais il faut avoir vraiment assez de vitesse, c'est-à-dire qu'il faut réussir à enchaîner tout le reste aussi. Donc, par exemple là il est tombé, alors qu'il devait faire encore les tags qui sont sur les. Qui sont en hauteur. Qui sont sur les écrans là-haut. Normalement en fait on fait ceux qui sont en bas en dernier, mais vu qu'il était tombé on en a profité justement pour les faire. Justement c'est là où on voit l'expérience de Limster, c'est que même si ça se passe pas bien, il sait comment s'adapter. Voilà. Il y a toujours une solution de rechange au cas où sa première volonté ne fonctionne pas, et comme on dit, ça arrive très souvent dans ce titre. On arrive bientôt à la fin de la run, pour l'instant ça reste quand même une bonne pace, hein. c'est pas mal du tout. Ah oui, de toute façon c'est vrai qu'il a mis, un estimate assez proche pour un temps, voilà. On sait que ça doit tourner, hein, parce que 43, tu sais que t'es dans les conditions du public. 43 minutes c'est vraiment un très bon temps quand même, hein, sur le jeu. Just en dessous du sub 40, enfin un sub 45 ça reste un temps vraiment bon. Là, un des battle boss qui est le plus facile en fait, il est vraiment très très simple. D'ailleurs, on n'a pas donné les temps. En plus, on a donné le fini de Hipster, me semble pas. Non, je crois pas, je suis pas sûr. Non. Et juste en dessous, on fait des 39 minutes. C'est ça. Avec un 38-59. Et le meilleur temps, en fait, détenu par Anis Lol, est un 38 minutes 18.
Donc là, pour le battle boss, c'est simple. Il a laissé partir les boss. Il a récupéré les 30 sprays qu'il lui faut. Il va juste les attendre et les taguer. C'est vraiment aussi simple que ça. Celui-ci, Boss Battle, est presque gratuit, on a envie de dire, comparé aux autres. Ouais. Surtout ce qu'on a vu avec le plus hard, là, où il y avait à grinder. Coup, c'était contre eux aussi, du coup. C'est encore une fois les Noise. C'est vrai que c'était contre eux, ouais. Mais ouais, pas du tout dans la même configuration. Là, ça se passe au sol, et puis on sait où les attendre. Et du coup, après, il y a plus qu'à partir derrière, ils sont regroupés. Ça se passe bien. Ils s'éparpillent pas trop. C'est rarement trop. Enfin, ça troll rarement quand même. Hein. Voilà. Là, on va arriver du coup sur la fin du jeu. Le final groove. Avec un boss qui est un peu facile quand même. Ouais, un peu anecdotique en fait, comparé à ce que t'as dû faire dans le jeu. C'est vrai que c'est un peu dommage quoi, parce que t'es passé quand même par beaucoup de niveaux avec des choses quand même relativement corsées à réaliser. Et là, t'arrives avec un boss. T'attends un petit peu. Donc là, il a fait une. Enfin, je sais pas s'il va faire sa strat. Alors, il y a une strat qui existe avec Beat, donc ça nous évite de changer de perso. Là, je pense qu'il va récupérer les 30 sprays. Non, il va récupérer tout ce qu'il peut récupérer, quoi. C'est ça, avec donc ce perso. Les 30, il est obligé d'en avoir, il y a 3. Là, c'est. Ah ouais, ça paraissait mal engagé. Là, ça va être très impressionnant, là, c'est saut. Parce que donc, il faut qu'il se rende à différents endroits. En fait, à 4 plateformes. Ouais, à 4 plateformes avant de pouvoir. Finalement, c'est en ça que c'est un peu décevant parce qu'il y a des plateformes où c'est juste des conduits sur lesquels il faut rider. Ouais. Alors, ce qu'on a fait pendant tout le jeu, quoi. C'est vrai que par contre, les roues avec les. Le bon timing, parce qu'on voit, voilà, on voit que c'est. Que ces obstacles-là. Bon, sur cette plateforme-là, il faut toujours passer sur celle du milieu. Sinon, les autres, ça sera beaucoup plus compliqué au niveau du timing. Celle du milieu est toujours plus simple, en fait. Et si jamais on part pas assez vite des plateformes, celles se détruisent en fait. C'est un peu que. Du coup, si on n'en sort pas assez vite, on va mourir, mais la plateforme sera quand même détruite malgré tout. On n'aura pas besoin de le refaire. Et même si on meurt lors de ce battle, on va quand même avoir notre progression qui va être progressée en fait. D'accord. En fait, il va retenir les plateformes que tu as activées. C'est ça. Donc là, il va lui rester plus qu'une plateforme. Oui, il semble aussi. C'est sûr. C'est la dernière, pardon, puis là il passe pas au milieu parce que la roue part dans l'autre sens et c'est vachement plus compliqué. Et là il va arriver sur le boss qui est. Il lui faut 15 sprays finalement. Et c'est pas grave, il a activé la cinématique, c'est tout ce qui compte. Bon. Ouais, c'est bon, il est arrivé suffisamment loin. Et du coup c'est là où beaucoup de PB se perdent, c'est-à-dire qu'il va avoir juste un tuyau à grinder, c'est là où beaucoup de PB se perdent parce qu'on va prendre du temps des fois. Et voilà, non, bah c'est voilà, bon. C'est passé, premier coup, il faut arriver au-dessus. Et on peut applaudir Limster avec un 40-49. Merci à toi Twispy pour ce commentaire. Alors que Limster va me rejoindre.